Alors bonjour à tous. Bonjour Patrick. Jean-Marc, on te présente plus, Sudoplast. Mais pour ceux qui ont déjà regardé les vidéos Aquatech Nobel, on commence à être connus. Ben je pense, hein. Et puis bientôt, grand déménagement. Mais oui, on a des projets d'agrandissement, tous nos clients nous suivent, donc voilà, on ne va pas bouger beaucoup en kilomètres, mais doubler la surface de production. Et alors ici, on a Pablo aussi. Bonjour, enchanté. Alors la société ? Société Vink, Vink Belux. Vink, bien connu hein, dans le monde du plastique, bien entendu. Alors, c'est toi qui es un petit peu le fournisseur de Sudoplast. Oui, tout à fait. Donc, on fournit tous les plastiques industriels et on est partenaire avec Sudoplast pour des projets un petit peu particuliers.
Bah, particulier, le mot est faible, on va dire. Oui, mais enfin. Bon, disons que c'est toi qui fournis aussi tout ce qui est acrylate. Ici, on a un très bel exemple avec ce bassin ici, qui est avec une paroi de 20 mm. 20 mm courbé en double, donc pour former un arc de cercle en 20 mm PMMA, effectivement. Ça permet d'avoir une belle vision sur tout le bassin avec une belle périphérie et de donner un éclat spectaculaire dès que l'on rentre dans la pièce. C'est ça. Bon, évidemment, on peut voir ici derrière moi un plus grand aquarium, hein, puisque lui il fait bien 2,50 m, 3 m de hauteur avec des requins. Et bon, là, la paroi est encore beaucoup plus importante. Oui, la paroi doit faire dans les 150 mm d'épaisseur, donc qui a déjà été posé il y a déjà quelques années, mais effectivement, c'est une très grosse paroi. Alors ici, bon, le bassin, il a été réalisé en deux parties. En fait, il y a une partie en polypropylène et une partie en acrylate. Voilà, pour ceux, je vais répéter, qui connaissent déjà nos vidéos, on avait fait un bassin dans une véranda avec des parties vitrées. On remet le couvert ici avec des formes encore un peu plus particulières. On est sur un projet de rénovation, donc on devait respecter les formes de la pièce, les piliers existants, une partie cachée pour la filtration, bien sûr, tout le local technique, et surtout avoir une très bonne visibilité pour tous les visiteurs. C'est ça. Bon, là, notre question de visibilité, ça le fait. Ça le fait, et avec les courbes, ça impressionne même. Hein. Absolument. Alors ici, même le filtre a été créé par Soutoplast. Oui, on est sur un système de filtre plutôt multichambre, à savoir qu'on est en eau de mer, donc on a laissé faire la biologie par les spécialistes eau de mer, mais la construction est en un bloc. On ne le voit pas nécessairement directement en caméra, puisqu'on a recouvert le tout par du matériel synthétique qui ne soit pas agressé par l'eau de mer. C'est ça. Bon, autre chose de particulier à signaler sur ce projet en particulier ? Sur ce projet en particulier, si vous regardez bien la vidéo, ça correspond réellement à Soutoplast. Aucun angle droit, des formes rondes. Donc ici, on a produit des pièces, une courbe de 3,50 m dans un four, pour avoir cet aspect esthétique qui rejoint la technique de base. C'est ça, l'étanchéité, parce que bon, l'étanchéité, c'est quand même un problème entre le PP et le polycarbonate. Oui, l'étanchéité, une notion de base dans les bassins, Patrick. Hein. Donc ici, on a développé un système de visserie tout à fait particulier avec des MS polymères aussi résistants à l'eau de mer pour étanchéifier tous les deux composants. Alors bien sûr, puisqu'on a l'occasion de t'avoir ici au bout du fil, si je peux dire comme ça, encore d'autres gros projets en cours, notamment sur les homards. Oui, là tu me prends de court, puisqu'on est dans les projets industriels, donc est dévoilé dans les jours qui suivent, c'est vraiment une première, c'est une première mondiale, le transport de homards par conteneur maritime. Donc, en partenariat avec un client spécialisé dans l'eau de mer, Soutoplast a pu construire toutes ces structures et a rencontré déjà un très beau succès dans les prototypes. Donc, nous lançons maintenant la production en série. Donc, je pense que ça fera l'objet d'un autre sujet. Oui, mais enfin, c'était l'occasion rêvée d'en toucher un mot. Voilà, j'aime bien comme ça prendre mes invités au dépourvu. Hein. De mettre l'eau à la bouche surtout. Hein. Absolument, il en faut pour tout le monde. Hein. Alors bien sûr, un grand stock chez vous. Oui, tout à fait. Donc on a un très très grand stock en matière synthétique. On fournit sur toute la Belgique et une grande partie de l'Europe toutes les matières synthétiques à l'état brut, que ce soit en tuyauterie ou en plaque. Et ça nous permet de faire des bassins, tout un tas de choses dans l'industrie, mais comme dans le domaine aquatique, comme dans le domaine des bassins publics, etc. Donc on a véritablement une grande partie de travail qui est fait dans l'industrie, mais aussi dans tout le reste. Une question comme ça, on n'en a pas parlé, mais vous faites aussi de la formation Effectivement. Donc moi-même, je donne des formations de soudure chez Technifutur ici sur Liège, des formations qui concernent tous les industriels ou les gens qui veulent avoir une formation technique au niveau des soudures. Donc c'est une formation sur 2 jours spécialisée véritablement sur la soudure du polyéthylène et du polypropylène en accord avec Vink et Technifutur bien sûr. Ben voilà, restez avec nous parce que maintenant on a vu la partie technique, on va aussi voir un petit peu le pourquoi du comment et la partie biologie de ce bassin, on va dire. Voilà, tout à fait. Ici, comme dit, on est en eau de mer, donc on va laisser faire la spécialiste du secteur. Restez avec nous. Alors voilà, je suis ici avec Marie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la biologiste ici de la maison. Oui, une des biologistes, mais je suis en charge des collections de poissons.
C'est ça. Alors bon, voilà, les poissons, on en a derrière nous. En fait, on est ici dans l'aquarium de Liège. C'est ça. Techniquement, même l'aquarium muséum de Liège, qu'il y a une partie musée au deuxième étage. C'est ça. Alors, un petit mot sur le musée ici. Alors, c'est un aquarium muséum qui existe depuis un peu plus de 50 ans maintenant. Et c'est vrai que depuis quelques années, nous envisageons des travaux de rénovation pour présenter un peu des nouvelles choses à nos visiteurs. Alors, on est ici le long de la Meuse, c'est facile à trouver. Hein. Très, très facile. On passe le pont, le bâtiment gigantesque. Alors, bon, il y a aussi... c'était quand même un relativement grand musée. Hein. Oui, alors la partie musée comporte environ 30 000 spécimens, mais une bonne partie cachée en réserve pour les scientifiques. Et ici, à l'aquarium, on a à peu près 2 000 à 2 500 animaux. C'est ça, bon, vivant cela. Je l'espère. Ah bon, on essaye de le maintenir vivant. En tout cas, tous les matins, je vérifie, ça va. Ça va, allez, fantastique. Alors ici, on a bien sûr tout ce qu'on peut trouver dans nos biotopes, en fait. Poissons d'eau de mer, poissons d'eau douce, etc. Oui, l'idée était de représenter différents milieux et pas juste des poissons marins tropicaux. On sait qu'ils sont très populaires, mais on sait également que les gens les connaissent bien. Donc on avait envie de leur montrer un peu d'autres choses. Donc on présente aussi des poissons de nos rivières et des poissons de mer du Nord, de chez nous. C'est ça, il y a des séminaires, des choses comme ça qui sont organisées ici? Alors, on participe à l'enseignement au niveau de l'université, avec notamment les cours d'aquariologie pour les étudiants. C'est ça, alors il faut préciser que en fait, le musée ici est attaché à l'université de Liège. C'est ça, il appartient à l'université. Ah ben voilà, donc ça c'était pour le petit mot. Alors ici, bon, un projet un petit peu particulier derrière nous. Oui, depuis quelques années, on essayait de rénover cette salle-ci. On avait envie d'y parler des récifs coralliens et plus particuliers ceux d'Australie, puisqu'il y a, pendant les années 60, l'université a organisé une grande expédition scientifique dans la barrière d'Australie et a ramené des échantillons de coraux. Et donc, on a eu envie de les remettre en valeur et du coup, évidemment, de mettre des collections vivantes en lien avec. C'est ça. Alors ici, y a quand même un certain volume ici. Hein. On parle de 8 mètres cubes, si je m'abuse. Oui, environ 8 mètres cubes. Donc, il ne faut pas se tromper, hein, parce que bon, là, c'est pas très profond, je veux dire, en termes d'eau, mais il y a des raisons pour cela. Oui, on avait envie de montrer une autre vision des poissons visiteurs. On les voit toujours par une fenêtre et on avait envie de les montrer du dessus et de faire un effet lagon. Et donc, on a demandé à Soudoplas qui nous a réalisé ce beau projet. Et l'idée est d'avoir une faible profondeur d'eau pour que les gens les voient du dessus et surtout qu'ils ne puissent pas les toucher avec leurs mains. C'est ça. Bon, malgré tout, ça arrive encore, mais bon, il faut déjà le vouloir. Alors, de temps en temps, on a des pêches un peu surprenantes. Donc, on a déjà pêché des paires de lunettes, des cartes et des petites voitures. Eh bien, oui, comme quoi que les autoroutes se mettent partout. Oui, mais on est vraiment contents. C'est vrai que les visiteurs sont très respectueux. Et ça, c'est très gai de voir que les gens comprennent l'importance d'un être vivant et ils font attention. Alors, je crois que vous avez quand même utilisé des moyens techniques qui permettent de limiter les consommations, notamment avec l'éclairage à LED. Oui, ça a été un choix, c'est qu'on a envisagé un moment d'y présenter des coraux, mais ça aurait demandé un éclairage beaucoup plus puissant. Or, nous avons déjà un bassin avec des coraux durs. Donc ici, on s'est dit que ce serait plus l'esthétique qui primerait, et on a pu passer sur un éclairage LED. Suffisant pour que les poissons se voient, pour que les visiteurs les voient, mais pas pour assurer une croissance corallienne. C'est ça, ça donne une ambiance un petit peu plus fermée, je dis, puisque l'alentour du bac en question est plus ou moins sombre, et par contre, la partie aquarium, je veux dire, est vraiment très bien éclairée. Oui, et alors on voulait vraiment jouer sur un effet de réflexion, c'est que comme l'éclairage LED que nous avons choisi est très focalisé, il se réfléchit sur les parois claires et sur le sable clair pour donner cet effet un peu plus diffus. Alors les choix de filtration par exemple? Alors on est parti sur un choix qu'on voulait un peuplement assez faible, pour avoir des animaux moins stressés, c'est plus réaliste en fait, et également pour avoir une très bonne qualité d'eau. Et donc grâce à ce choix de population assez faible, on peut se baser principalement sur un très gros écumeur pour faire notre filtration. Donc un gros écumeur, mais il y a quand même encore une cuve avec, des mousses. Oui, on a quand même assuré alors, des grosses mousses pour faire une filtration mécanique, qui sont régulièrement rincées. Et en dessous, nous avons des bits de céramique pour assurer un support bactérien. Le décor est réalisé en céramique ultra-poreuse, qui permet aussi d'assurer un bon support bactérien. C'est ça. Tiens, une petite question comme ça. Est-ce que vous avez déjà constaté un changement au niveau des croissances dans vos poissons? Non, on les a mis très jeunes il y a quelques mois, assez petits, donc ils grandissent pour une manière assez linéaire. On en a quelques-uns qui ont fini de grandir sur la taille adulte, et puis les autres ont continué à attendre un peu. Donc pas de différence sur le fait que c'est un très grand aquarium en réalité? Non, je pense pas. Maintenant, c'est vrai que les espèces qu'on a mises ici, on les a pas forcément mises ailleurs, donc j'ai pas un point de comparaison. Non, c'est une simple curiosité, hein, parce que bon, on pourrait supposer qu'il y a toujours un vieil adage ou des gens qui disent oui, un poisson grandit en fonction de l'aquarium, mais c'est pas nécessairement vrai. C'est en partie vrai. C'est quand même une taille minimum qu'un poisson doit atteindre, donc un poisson rouge dans un bocal, ça ne marche pas. Mais effectivement, à partir d'une certaine taille correcte adulte, plus le bassin est grand, plus le poisson aura le potentiel de devenir grand.
C'est ça. Ben, écoutez, voilà. Mais bon, ça n'est pas forcément vrai pour de l'eau de mer. Donc ici, alors évidemment, tout ça est chauffé. Oui, nous avons 6 résistances de 500 watts. Nous ne sommes pas sûrs d'avoir réellement besoin de 3000 watts pour chauffer le bassin, mais c'est une réserve, on veut être sûr qu'il n'ait pas un coup de froid. Ben voilà, donc c'est certain que bon, ben, vos poissons ont l'air en très très bonne santé en tous les cas. Félicitations pour cette belle réalisation. Moi, ça m'a plu de découvrir un petit peu ici les aquariums de Liège. Moi, je vous conseille vivement d'y faire un tour. En plus, c'est pas très cher. Et puis, on peut peut-être dire, quand est-ce que c'est ouvert l'aquarium ici? Alors, c'est ouvert tous les jours, de 9h à 17h en semaine et de 10h à 18h le week-end. Donc c'est accessible 7 jours sur 7 en fait. 7 jours sur 7, sauf à Noël. Sauf à Noël, bon, bon on s'écarte un petit peu de Noël. Hein. Bon, ben, même si le paysage est blanc aujourd'hui, c'est pas très grave. Donc venez faire un tour ici à l'aquarium de Liège, vous serez surpris de la qualité et de la quantité des choses à voir au niveau de tout ce qui est aquatique en fait. J'espère que vous serez agréablement surpris. Eh bien, un grand merci à vous, Marie, en tous les cas, pour ces explications. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et comme je dis toujours, surtout, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Au revoir.